De très très belles statues et tout cela. Porte vers la tour des arcanes. Nous irons dans la tour des arcanes un poil plus tard. Il f... Non mais. Tais-toi. Laisse-moi passer, Dalin. Bon, là c'est la tour des arcanes. Très bien. Encore une potion de clarté. Voilà. Je voudrais aller me diriger, me rendre même, s'il était possible, à la maison de Galmor. J'ai une petite. Prenez garde à ma colère! J'arrive, Billy! Non, j'arrive pas, Billy! Ah, mais ça m'attraque! Ça m'attraque fort! Voilà, critique. Allez, au revoir! Non, arrête de prendre l'aide. Hein. Regarde cette barrique. Donc là, je suis une autre maison délabrée. Elle est pas si délabrée que ça, sur mon avis. Ouais. Ouais, ça pue un peu le piège. Le repère Astremont, hein. Et si tu veux mon avis, c'est du mob en boîte. Donné. Ah, oh. Bonjour. Salutations. Ah. Arrête de marcher. Parle-moi de ces hauts capitaines. Magicien peut-être, je ne sais pas. Quel magicien? Lequel? Très bien. Au revoir. Oui, bah, tu sais quoi, un petit coup de pain, d'épée entre les côtes, ça résout bien des problèmes. Ça résout d'ailleurs plus de problèmes que l'on pense. Bonjour, madame. Salut. Bah, elle est là, ta mère. Tu es aveugle? Pauvre petit. Pauvre petite. Bon, et quoi ici? Ah, excusez-moi, bonjour, messieurs, dames. Rendez-vous avec la mort. C'est ça votre strat? C'est ça votre strat, vraiment? Vous transformez? C'est l'heure du rendez-vous avec la mort. Ah, mais je suis hébété. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Attends, prends une potion. Ah, par contre, il y a zéro musique. Je pense. Ah, il se transforme. Bah écoutez, ah, oh, c'est des ragarous. Regardez-moi ces ragarous. Ils sont moches par contre. Voilà. La maison est clear. Je prends juste la potion qui me revient. Je vois qu'il y a un cadavre, deux cadavres. Monsieur, je prends votre collier. Ne vous en faites pas, il sera réutilisé à des fins purement monétaire, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il sera réutilisé dans tous les cas. Et j'ouvre toutes les portes pour permettre à tout le monde de rentrer, évidemment. Je crois qu'on est en train de se perdre. La maison là, on l'a vu. Il y avait une maison par là. Ça doit être celle-là. C'est la maison. Maison de Garold. Et les bas-fonds. Le bas-fond, ça doit être un bar. Et là, c'est quoi? C'est les égouts. C'est les égouts. Donc, les égouts. C'est sans doute pour un raccourci. Là, on a quoi? On a un bâtiment. Donc là, ça me. Monsieur, je vous ai entendu vous transformer. Où êtes-vous? Donc, oui. Oui. Bâtiment délabré. Merde. C'est toujours pas ici. Et les bâtiments délabrés sont vachement grands, on dirait pas, d'Alain. Non. Je glisse sur la porte, d'Alain. N'oublions pas de glisser sur les portes. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il âme qui vive? Une caisse. Oh, une caisse, oui. Aïch. J'ai mal. Mais qui verrouille des caisses?
Écoutez, monsieur, les coffres, je veux bien, les portes aussi, mais des caisses, s'il vous plaît, voilà, ça ne sert à rien. Respectez-vous. En plus, 18 points de vie. Oh, je vais me donner une petite potion. Ouais. La drogue, la vie. Et ici, qu'avons-nous? Messieurs, messieurs, s'il vous plaît, restez calmes. C'est l'heure du rendez-vous avec la mort. Oh, mais vous êtes bien équipés, tout cela. Que voici un bel équipement. Mercenaire de la main écarlate. Oh, mais qui êtes-vous donc? Oh, vous avez laissé un drap, monsieur. Monsieur, vous avez laissé un drop. Monsieur, vous avez aussi laissé un drop. Oh, des carreaux de foudre. Il y a du cadavre, beaucoup de cadavres. C'est assez glauque quand même. Il n'y a personne dans les maisons. Et il n'y a plus de musique. Ça fait très très peur. Même trop peur. Je flippe. Messieurs, oh, bonjour messieurs, dames. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Putain, arrête de courir. Calmez-vous, je vais vous sauver. Je vais juste, avant, piller vos ressources. C'est écrit. Oh, vous avez un peu l'or. Oh, c'est pas grave. Hein. Ne vous en faites pas. Tiens, je vais invoquer ma créature pour me vider les poches. Et voici un petit loup sanguinaire de niveau 3. C'est mignon. Messieurs, bonjour. Avez-vous déjà rencontré un loup? Avez-vous rencontré un loup? Un loup avec des animations qui ralentissent un petit peu. Bon, le loup, s'il meurt, c'est pas grave, hein, je vais pas le ressusciter. Voilà, le loup est mort, mais ce n'est pas grave. Oh, cadavre. Encore un saphir. Je pense revendre ces saphirs. Mais où est un beau loup? Mais où est qu'il est beau? Il est beau, le loup. Putain, mais il y a masse de... Mais vous étiez combien, en fait? Arrête de me donner des saphirs, le jeu, j'en ai trop, moi. 64 or. Ouais. 26. Normal. Bon, je pense qu'on est bien. On a vidé la maison. Mais par contre, je n'arrive pas à trouver l'entrée de la maison de Garlug. Ce qui me gêne un petit peu, parce qu'on est sur un pâté de maison assez serré et un peu... un peu construit à la pisse sans être... sans avoir pris connaissance de la largeur. Oh, un coffre. Oh, un individu louche. Je suis un individu louche. Car je louche. Salut. Je peux vous aider? Vous avez tout l'air d'être intelligent à savoir vivre dans l'eau. Et si c'était le cas, dans ce cas, je suis une quelle fois, j'ai de quoi vous simplifier la vie. Et qu'avez-vous à proposer? Oh, c'est un vendeur. Fufu, je suis Fufu furtif. Oh, mais donc, Oh, 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 tiens, je te remonte cette merde. Cette autre merde, ça aussi, ça, ça, ça aussi. Alors ça, je la garde. Ça, j'en veux pas. Bon, ça, je te la donne, hein. Ça, ça me sert. Ouais, bon, ça, je la garde. Alors ça, j'en veux pas. Je peux pas. C'est nécessaire à l'intrigue. Si tu veux. Alors ça, j'en veux pas. Ça me sert à rien. Enfin, très franchement, je vois pas pourquoi je l'ai. J'ai pas un sort inutile là-dedans.
Un sort légèrement rougeâtre, non. Alors, je veux bien prendre ça aussi. Puis ça, puis ça, puis ça. J'ai pas une arme qui traîne là-dedans. Non, là-dedans. Ah oui, j'ai cette merde. Et là, j'ai. Alors, j'ai une cape. Une cape, voilà. Tiens, je te la donne. Alors, j'ai ça aussi, c'est inutile, j'en veux pas. Là, j'ai quoi? Putain, ils m'ont vidé tous mes objets importants. Ah bah, c'est cool en même temps. Et bah, écoutez, vous savez quoi? Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, en fait, le scan, c'est le dernier gros vide du jeu. C'est clairement ce qui est en train de nous indiquer le jeu. Et bah, tant pis pour les quêtes, hein. Du coup, je range un petit peu, je profite qu'on me laisse un peu de temps. Car c'est important. L'anneau d'herbe. Tiens, je vais foutre ça là. Toi, je vais ranger là. Faisons du Rubik's Cube. Ou du Tetris. C'est Tetris. Ah, tiens. Alors, ça, je ne sais pas à quoi ça sert, mais. Est-ce que je peux vendre? Ah, nécessaire intrigue. Est-ce que je peux vendre? Nécessaire intrigue, très bien. Et bah, ça va aller en bas. Vu que c'est nécessaire à l'intrigue, je ne vois pas pourquoi je vendrais des choses. Voilà. Bon bah écoute, tu m'as viré de 2 kilos, ce qui est pas mal. Est-ce que tu sais où est... non mais... mais il y a une caisse. Je veux y aller. Vas-y, il y a du loot. Vas-y, t'es pas cool, mec. Bon, alors attends. Maintenant, faut trouver la bonne maison. Maison qui est techniquement ici. On fait le tour du pâté de maison. Et on est devant. Je me suis pas trompé normalement. Je sais encore me repérer sur une carte. Yes! Comment ça, c'est pas... C'est incroyable. Non mais se repérer sur une carte, c'est pas facile alors. Mais regardez-moi ce loup comme il est mignon. Monsieur. Ah, monsieur dame, bonjour. Content de vous voir. Excusez-moi madame. Excusez-moi madame. Il y a urgence. Tant pis, le loup va mourir. Voilà, excusez-moi madame, j'étais un peu. Prenez garde à ma colère. Pourquoi êtes-vous à ce point effrayé? Non. Bon bah écoutez madame, au revoir. Restez dans votre chambre. Bon, un petit drop. Besoin de savoir, mais c'est impeccable. Ils étaient sortis de la porte. Ah, le jeu. Le jeu. Ouh là là. Alors le jeu m'a fait ce qu'on appelle dans le jargon un ne répond pas. Ouais, il m'a fait un Neverwinter Night, il ne me répond pas. J'avoue que c'est la première fois que ça arrive. Pef. Allez, gros marteau. Enfin, un gros arbalète pour ma gueule. De la thune gratuite. Ah, j'avoue, c'est pas mal ce qu'il m'a fait. Oh, mais il y a du plus 10. Mais c'est incroyable. Comment ça se fait? Moi, je crois que je vais en utiliser bientôt des cambrioleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois, ça se fête. Mets ton meilleur pouce bleu pour ça. Bah oui, il faut demander des pouces bleus, hein. Tout le monde le fait, moi je le fais jamais. Ça sert à rien, franchement. Le référencement, c'est inutile. Le bouche à oreille, c'est mieux. Messieurs, dames, bonjour. Ah, ah, bonjour, monsieur. Bienvenue. Je ne vous vois aucun mal. Yay. Qui êtes-vous? Merde, non. Qui êtes-vous? Ah, tu es un noble. Oh là là, quelle tête de noble tu es. Je voudrais parler au sujet de bébé d'Yvette. Alors, je refuse d'avoir de bébé. Je ne sais pas ce que cette femme revient de me voir. Questionner pour me voler ce que je possède et puis une maison close. Yvette n'a pas l'intention de l'élever dans la maison close. C'est peut-être ce qu'elle vous a dit personnellement. Il est possible d'arriver à un accord. Alors, oui, on s'est vraiment récupéré. Ce bâtard, j'ai. D'accord.
Attends, est-ce que t'es sérieux? Est-ce que c'est sérieux par contre ça? Est-ce que monsieur c'est sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux de mettre un enfant dans un inventaire? Excusez-moi, mais je crois que là, on atteint un stade de... Merde, tant pis. On atteint un stade de... Bonjour, excusez-moi. Oh, je te prends ça. Un contenant moins 60%. Écoute, moi je te prends. Les contenants, c'est toute une passion. Est-ce qu'on en est là? Je veux dire, vous êtes sérieux quand même que là actuellement j'ai un bébé dans mon sac, que j'ai littéralement un bébé dans ma poche. Un bébé qui fait quand même... qui pèse lourd quoi. Il est dans ma poche et je me le trimballe tranquille. Normal. Tout va bien. Non mais le jeu, tu vois, il est cool, mais le but dans la poche, c'est un style. Ouais, c'est un style, attends. Oui. Ah. Et là, je vais me battre avec un bébé dans la poche. Monsieur dame, bonjour. Mais je t'ai pas tué, toi. Je suis sûr de t'avoir tué, toi. Oui, ah, tu décèdes. Ah, pas loot, si, un loot. Ouah, de la merde. Bon, eh ben, on va rendre la bague à herbe, l'enfant à Yvette, et puis on va s'arrêter pour cette session de la presque chapitre, le presque chapitre final de le scan. Hein? Je pense que vous m'en voudrez à mort, pour certains, de ne pas avoir fait. Mais ta gueule. Certains me voudront de ne pas avoir fait toutes les autres quêtes, hein, je sais, je ne savais pas, voilà. Mais on avance sur les enfers. Là, techniquement, c'est le dernier, la dernière grosse map de ville avant la fin. Bon, par contre, c'est où l'entrée? C'est là. Non, c'est... voilà. Voilà. Et il faut que j'en monte à l'étage pour aller voir Herbe et Yvette. Yvette, je vais lui montrer le bébé que je sors de ma On vient poche. prendre du bon temps, c'est ça? Bon, allez, au revoir. Allez, bisous. Oui, des bisous bien. Donc je n'ai pas fait toutes les quêtes, voilà, je suis désolé, excusez-moi d'être pas du tout à ce que je suis. Alors, Herbe, Herbe il est là-bas, le nain, Herbe, ici. Bon écoutez, 1000 pièces d'or, hein, je pense que sur les 50, les 180 000. Comment se déroulent les recherches? Ah, quand même, vous réussissez pour avoir mieux que je ne sache pas. Bah... Merci! Voilà, j'ai trouvé une quête, je suis content. Yvette, droite, gauche, 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 droite. Droite, c'était de droite. Yvette, j'ai ton gamin. Voilà, je le sors de ma poche. Alors, je sais que c'était pas... Je vais vous offrir 500 pièces. Ce n'était pas une tâche! Non, gardez votre or, ouais. Vous en êtes sûr? Tiens, voilà 250 de plus. Allez, pef, 150 de bonus. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Voilà, barre-toi. Vos actions vont tendre de 7 points vers le bon. Parce que moi, je n'aime pas être méchant. Je suis méchant, mais seulement quand il faut. Donc là, si je fais J, pef de mission. Voilà, et là, pf! Et donc là, je n'ai plus que 3. Alors, il faut sauver Even.
Even a attiré l'œil du haut, capitaine. Hein? Donc il faut que j'aille aller voir Karth. Voilà, et il faut que j'aille voir Baran. Donc en fait, j'ai une quête de chaque côté. Eh ben, c'est pas mal. Du coup, je vais me laisser là pour cette petite session. J'en ferai une autre très très vite, je pense. Du coup, on va se laisser là. Merci à tous d'avoir regardé toutes les sessions, voire même la playlist si vous la prenez jusqu'ici. Ça fait plaisir. Merci de porter un minimum d'intérêt à ce jeu et à ce que je fais. Si ça vous plaît, comme d'habitude, les pouces bleus, les commentaires, les partages, tout ça. De checker le contenu pour voir si ça vous plaît et de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter @Adrius1. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour Neverwinter Nights.